C'est un de mes échauffements préférés ou une de mes petites études guitare préférées pour deux raisons. La principale, c'est que moi, j'adore le jouer. On peut le jouer un petit peu à tous les tempos et on peut accélérer au fur et à mesure. C'est ça qui est sympa avec ce type d'études. Et puis, eh bien, on va pouvoir le complexifier. Je vais vous montrer, vous allez pouvoir rajouter en fait une double note avec la corde à vide, la première corde. Ça se base sur un mi majeur, mais attention, vous n'avez pas besoin de le jouer comme ça dès le début. En fait, vous allez utiliser simplement deux doigts de la main côté manche. Vous allez former la fondamentale, la tierce majeure et la quinte juste. Ce n'est pas pour faire de la théorie, on fait du super simple. Et donc, en fait, vous allez jouer ces trois notes. N'importe qui peut le faire, même Lucien. Il n'est pas là pour ça, lui. Alors, vous allez alterner ensuite avec le doigt numéro 1, la première corde. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression d'entendre deux voix, peut-être deux guitares, n'exagérons rien, mais c'est quand même super sympa ce petit riff. Le pouce va alterner les cordes 4, 3, 2. Et l'index, il va jouer toujours la première corde, quatrième corde, première corde. Troisième corde, première corde, deuxième corde, première corde. Vous allez le faire deux fois ce petit arpège et ensuite vous allez simplement descendre ces doigts d'une corde. Oui, oui, les mêmes cases mais une corde plus bas. Alors attention, évidemment, ça va monter puisqu'on est sur un La mineur maintenant. Pareil, pouce, index, pouce, index. Donc on est bien sur seulement trois cordes ici. Mais là, il va falloir lever le doigt numéro 1 pour libérer la corde de Si. On revient sur la troisième corde, à vide. On change de corde, donc de préférence le doigt numéro 3 à la troisième case. Et encore la corde à vide. Donc ça va faire 2... 1, 0, 2, 0, 3. Alors on va faire une petite interlude quand même, il faut que ça change, il faut que ça soit une petite étude. Vous allez faire la corde de Si à vide deux fois et ensuite un Fa à trois doigts. Deux fois la corde de Si, le petit arpège de Fa avec le pouce ou alors avec trois doigts. Fa, La, Do. Je vais utiliser le petit doigt à la troisième case. Et là, je reviens sur un Mi majeur. Sauf que j'ai pas envie d'entendre la première corde. Je préfère la deuxième corde, la corde de Si. On le joue une deuxième fois. Et le Mi majeur, cette fois-ci, on peut détacher toutes les cordes. Ensuite, la petite gamme. Ceci, vous allez le jouer très très lentement. Vous allez le jouer hyper lentement au départ, évidemment. N'allez pas commencer à vous emmêler les pinceaux, ça je vous connais. Vous jouez vos trucs à fond la caisse, puis après, attends, je le refais. Non. 1, na, 1.
Donc ça, vous allez le faire tourner pendant des heures. Vous pouvez regarder la main côté chevalet. Alors, ce que j'adore faire, parce que ce serait un petit peu ennuyeux, je veux dire, une fois qu'on sait le jouer, quoique si on accélère vraiment le tempo, hein, bien c'est de doubler avec donc un deuxième doigt, et là, pour ma part, c'est le majeur, là où il y a la bague. Et je vais faire donc pouce, majeur index, comme ceci. Pouce, majeur, index. Vous allez essayer de garder le majeur en fait sous l'index. Et de lever la main comme si vous leviez les deux doigts, mais vous allez les détacher comme ça. Démarrez par ce petit exercice. Je vous ai fait bien entendu les tablatures format PDF, format Guitar Pro de l'intégralité de cette petite étude telle que je vous la joue. Donc vous allez pouvoir véritablement vous amuser. Elle est super sympa à jouer juste pour son plaisir ou pour s'entraîner. Mais vous allez voir que vous allez rapidement vous amuser avec ça. Et à titre personnel, voilà, c'est quelque chose que j'adore faire tourner. Aussi bien pour améliorer ma technique que simplement pour me détendre. Thank you.